Donc, je le fais une fois, on fait le coup en descendant. Bonjour, je m'appelle Geneviève Poirier, je suis chanteuse, auteure, compositeur, interprète, professeure de chant. J'ai un handicap visuel depuis la naissance et en fait, ça ne m'a pas empêchée de faire mon travail, d'étudier, d'être maman. Et je suis la directrice de la chorale ici au RHVL. La chorale est fondée par le RHVL. Le but, c'est de briser l'isolement des personnes qui ont le handicap visuel. Le but aussi, c'est de sensibiliser. Donc, la chorale est aussi un outil de sensibilisation pour la population, pour que soit ceux qui ont déjà un handicap ou ceux qui n'ont pas de handicap puissent voir qu'on peut s'épanouir, on peut être heureux, on peut avoir des activités à travers notre handicap. Les difficultés, ben moi j'appelle pas ça des difficultés comme des défis, c'était au niveau d'adapter le fait d'être en chorale avec des non-voyants. Donc, on avait le défi qu'eux puissent avoir accès à apprendre les pièces, les textes, à être capable après que moi, je communique avec eux en tant que directrice de chorale, donc pour partir à chanter les arrêts des pièces. Donc, c'était vraiment au niveau de la logistique qu'il y avait des défis. J'ai mis des codes sur pied, des codes qui étaient auditifs. Au lieu que je parte et que je fasse des signes avec mes mains seulement, je le compte fort. J'ai appris soit avec une percussion ou avec, peu importe, là, à signaler les arrêts. Alors oui, on a fait un CD. Le CD comporte 12 pièces, dont 9 chantées par la chorale. C'est des pièces de toutes sortes. Donc, moi, j'essaie d'aborder avec eux tous les styles de musique, en français, en anglais, assez rythmées, plus lentes, mais des pièces qui nous ressemblent. Super, hein, les altos, là? Yeah! Ba, 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 Donc, notre chorale s'appelle Les Yeux du Cœur. Évidemment, on fait tout de suite le lien avec la pièce de Jerry Boulet, Les Yeux du Cœur, parce que nous, dans le fond, c'est les yeux qu'on utilise le plus. On n'a pas tous la chance ou pas du tout la chance d'avoir de vision. Donc, c'est avec notre cœur qu'on regarde la vie.